coup, je vous retrouve pour la robe du petit mannequin. Donc, je pense que ça sera en plusieurs fois, hein. Je ne pense pas avoir le temps en une demi-heure de faire une robe complète, même si c'est pas de la haute couture. Donc là, j'ai pris du faux cuir. J'ai pris mon mannequin, donc que j'ai passé au gesso noir. Je voulais vous montrer celui-ci qui est en attente. Il n'est pas sec. Donc là, il est fait avec une paille et la poignée de la commode. Donc celui-là, il sèche. Donc ici, ce que j'ai dans l'idée, c'est de faire une robe tombe sur les épaules comme ceci. Voilà, quelque chose près. Ici, je pense mettre des petites épaulettes comme ceci de chaque côté. Donc là, la première difficulté, ça va être d'arriver à faire le croisé. Donc déjà, avant d'essayer de récupérer la taille ou quoi que ce soit, on va commencer à fixer avec de la colle ici. Donc on prend l'autre côté, vous voyez que c'est très souple, hein. Pas trop tiré non plus parce que j'ai déchiré, ça se déchire. J'ai déchiré un petit bout tout à l'heure en faisant des essais, mais c'est pas grave. Donc ici, j'ai mon premier point. Alors, comment montrer? Si on est debout. Alors, il est un peu trop décolleté à mon goût. Donc, tant que la colle n'est pas sèche, je le reprends. Sans trop traîner parce que la colle prend assez vite. Donc là, ça me convient mieux. À savoir qu'après, je ne sais pas si elle aura ceci, si elle aura ceci autour du cou. En premier, sont mis les épaulettes. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est rentrer un petit peu le cou parce que non plus, c'est pas une cape d'hiver. Alors, soit avec une aiguille. Voilà. Après, c'est un travail de pliage, de patience. Voilà. Alors, ici, pour avoir la taille, je vais. Alors, je soulève un petit peu ici pour que vous y voyez. Il me faudrait une petite pince. Voilà. Donc ici, je vais prendre ma robe. Donc je veux quand même qu'elle ait un joli plissé. Faut que je regarde la caméra en même temps. Donc là. Je vais mettre un point de colle. Je pense qu'il en faudra même plusieurs. Alors, je fais de mon mieux pour filmer, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout. Donc là, on commence à marquer notre taille. Je vais prendre ce morceau-ci. Je vais le rentrer. Pour avoir aussi. Voilà. Là, ça me convient. Derrière, on fera un petit pli. Donc ici, je mets plusieurs points de colle. Alors là, il y en a beaucoup trop, ça déborde. Donc, j'en enlève un petit peu. De toute façon, il y aura plein d'embellissements sur cette robe. Ici,
je vais venir derrière et je vais faire deux petits plis comme ceci. Puisque c'est un mannequin qui n'est pas collé sur tableau, donc il faut quand même que l'arrière ne soit pas hideux. Donc deux petits plis que j'essaye de faire à la même hauteur. Alors voilà, il faut faire attention parce qu'après la colle, avec le faux cuir, de suite, ça colle au doigt très vite. Hein, et c'est là qu'on risque de déchirer ou d'abîmer. Donc là, voilà. Donc là, on en est là. Moi, je veux une robe qui cache le bustier, mais je vais lui rajouter une demi-jupe. Donc c'est ce que j'ai en tête. Donc là, je vais essayer de couper le mieux possible. Alors, reste que j'ai ce petit pli là, que je ne suis pas à la même hauteur. Donc, je reprends. Donc ici, je vais quand même mettre un petit point de colle. Puisque dans l'idée, c'est pas de faire une robe portefeuille. Par contre, les embellissements et tout, ça sera une fois que la robe sera finie. Donc là, dans un premier temps, voilà notre robe. Donc ici, dans l'idée, ce que je veux, c'est une grande robe donc qui va venir s'accrocher de chaque côté, comme ceci, de chaque côté de la taille. Et qui va venir derrière. Par contre, je la voudrais un petit peu plus courte. Donc, on va recouper. Alors, est-ce que je suis bien? Il y a un bout ici. Donc, voilà. Alors, je jette les petits bouts. Alors, est-ce que c'est ce morceau qui est le mieux ou est-ce que ça serait celui-ci? Campagne écrit, c'est pas, c'est pareil, la couleur je vais la retravailler hein. Alors la taille déjà elle est plutôt là, donc là c'est déjà beaucoup long pour se faire une idée de ce que ça peut donner, donc on va couper.
vraiment très mal coupé. Voilà. Donc ici, si je reprends, que je fais un plissé. Ça nous donnera ceci, sachant qu'à l'intérieur, je ne vais pas rester comme ça. Donc là, le petit mannequin, on va le mettre de côté. On a la bonne dimension. Donc là, je vous rebascule vers le bas. Donc ce sont bien sûr des papiers de récupération. Donc à l'intérieur, est-ce que j'y vais carrément avec un froissé blanc? Quand même un papier qui se froisse. Alors ça, c'est un essai, c'est pas du papier de soie, c'est du papier pareil de récupération, papier de chaussure, donc c'est un peu plus épais, mais c'est pas la folie non plus. Ça se déchire par contre très facilement. Ça va pas trop me plaire. Allez, je crois qu'on va prendre ça. Donc ici, je vais déjà j'espère qu'on ne me trompe pas, parce que c'est pas toujours évident. Des fois après je change. On va voir, de toute façon, je vous dis, il y aura plusieurs vidéos. S'il y en a que je rate, et eh ben je rate. Ça, c'est de le faire devant vous. Ou je le fais caméra cachée, entre guillemets. Soit je partage avec vous. Et donc, ça peut être en plusieurs fois. Donc là, il faut un fil et une aiguille. Donc, j'ai pris un fil, c'est n'importe quel fil, un fil coton. Je suis restée dans la tonalité. Il faut une assez grande longueur. Donc le plus long, bien sûr, ça va être d'enfiler. Non, ça va. Et donc là, je vais piquer de façon à réunir les deux morceaux. Alors c'est un petit peu dur sous l'aiguille, hein, quand même. Ça que mon aiguille est déjà tordue, j'ai repris la même. Alors un point tout simple. Alors là, je tire mon fil. Donc là, je l'ai doublé. Alors, où est-ce qu'il est? Ah ben, cette fois-ci, j'en ai pris vraiment beaucoup de fil. Donc ici, en tirant de chaque côté, on a un plissé. Par contre, j'ai fait un pli intérieur de chaque côté du tissu, on va dire, hein, de façon à ce que le bord soit joli. Alors, donc on est sur deux tonalités. Donc, je repère ma taille. Je vais faire un nœud, c'est provisoire, de façon à ce que ma jupe tienne et que je puisse faire ce que je veux dessus.
Donc j'ai fait une boucle tout simple. Alors c'est un petit peu long pour qu'il y ait un joli plombé. Donc sans couper exactement. Parce que le fond ça nous coupera une fois qu'on aura fini le reste. Donc je vous remonte un petit peu. Alors là c'est pareil, on a le légume. Ah, top top top, donc je vais couper. Et je vais venir coller ma longueur. Donc là, je mets mon tissu en décalé et j'appuie. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là c'est pareil. Celui-ci il est un peu trop grand donc je coupe. Alors, attention mes fils. Donc là mes fils ne me servent qu'au plisser et maintenir pour que je fasse le bord. Vous voyez que c'est quand même une matière très très souple. Alors, toujours avoir un chiffon parce que la colle, bon ben, il vaut mieux en avoir plus que pas assez dans ces cas-là. Donc ça déborde un peu. Là, ça déborde vraiment. Et là, pas du tout. Alors. Donc ici, je vais soulever le fond de ma robe, je vais replier et je vais coller. Là, c'est pas très bien coupé. Voilà. Donc là, je fais un bord à bord.
Donc pareil, j'appuie bien. Alors ça reste un travail de patience. Alors, voyons debout. Donc, ça nous donne ceci. Alors, au niveau du fil ici, je vais défaire mon fil. Je vais tirer dessus parce que je veux le maximum de plissage. Et dans le creux, ici, je vais venir coller mon revers. Donc là, c'est pareil, j'appuie bien. Je vais monter un petit peu. Ici, j'ai toujours mon fil qui est libre. Celui-ci, il est collé. Donc, je vais plisser tout doucement. Je vais venir retourner. C'est trop grand. Donc on va serrer. Alors là je fais. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller quelques plis au fur et à mesure. Je pense que ça va être plus simple. Et ici, je retourne et je viens plier dans le creux de ma taille. Alors après, vous inquiétez pas du visu là, parce que c'est au final qu'on voit exactement ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire. Donc là, effectivement, si on regarde comme ça, c'est pas terrible. Hein. Mais ça va venir. Voilà, donc déjà ici, je coupe les fils. On a la structure de notre robe. Ici, ça, c'est pas collé. Vous la montrer en entier. Voilà. Donc moi après ce que je veux c'est des rubans, des dentelles. Je ne sais pas si je rajouterai ou pas du papier cuir. Ou alors peut-être pour mais là je ne pense pas parce que dans mon idée elle aura ça ici. Voilà. Donc là j'ai le
point qui fait tomber. Est-ce que je vais arriver à mettre un point de colle là-haut? Je ne pense pas. Donc je vais remettre un point de colle ici en prenant la première robe, en faisant un pli et j'appuie de façon à ce qu'elle lui tire moins dessus. Donc là par contre il faut appuyer un petit moment. Il nous reste et bien que ça va couper, donc je vous reprends sitôt que la vidéo aura chargé. Ça va me permettre de chercher des rubans et des dentelles. Donc voilà le début de notre robe. Je vous dis à la suite très bientôt. Bisous.